Salut, ça va? Monsieur Xeux, je vous ai pourtant dit qu'il n'est pas dans l'usage de cette institution de se laisser aller à des sentiments. Elle a besoin de repos, vous le savez bien. D'autant plus que vous en êtes déjà à 7 fausses couches. Il me semble que vous vous attachez. Vous devriez changer de chair. Non, je m'en vais. Habillez-vous, il est grand temps. Si tout le monde faisait comme vous, comment voulez-vous que ça fonctionne ? Alors c'est bon cette fois, il est viable. Excusez-moi, monsieur. Encore une fausse couche, signor Matron. Désolé. Alors ? Je suis navré, monsieur Deux. Encore ? Mais c'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Neuvième fausse couche ! Neuvième fausse couche! C'est pas possible! Pas possible! Neuf fausses couches! Je suis désolé, signor Matron. Encore une. Qu'est-ce qu'ils vont dire à la direction? Ça fait une bonne dizaine de fois que leur chair n'arrive plus à terme. Moi, c'est la huitième fois maintenant. Je sais plus quoi faire, signor Matron. Je sais plus quoi faire, signor Matron. C'est encore une fausse couche, signor Matron. C'est encore une fausse couche. Le protocole ne fonctionne plus. On est devenus des cannibales. Elle hurle. Et on n'entend rien. Hmm.
Ça va, toi? Ça va, et toi? Monsieur Xeux, s'il vous plaît, réveillez-vous. Il est l'heure de vous rhabiller. Le centre va fermer. Laissez-la se reposer maintenant. Vous savez bien qu'elle est enceinte. Monsieur Xeux, vite, entrez, dépêchez-vous. Non, s'il vous plaît, monsieur, non, désolé. Suivez-moi. Il est temps que vous compreniez. Tenez. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ?
Pardon. Choo-choo.